Tu m'autorises une question indiscrète? Oui, je suis écrivain à des formations professionnelles. Allez-y. Comment elle a fait ta mère pour s'offrir cet endroit? Oui, quand je la connaissais, tu chantais dans un bar sur le continent. Elle a reçu un peu d'argent en héritage. Quand j'étais petite, on vivait chez une vieille dame et maman s'occupait d'elle. Elle s'appelait Sophia. Sophia? Ma grand-tante Sophia? C'est possible, oui. Mais j'ai toujours entendu dire qu'elle a fait l'église sous l'argent de la famille. Attends un peu. Quel âge as-tu? 20 ans. J'avais besoin de prendre un peu l'air. Pourquoi votre grand-tante a légué cet argent à ma mère? Je ne sais pas. Mais si, dis-moi pourquoi, je t'en prie. Bon, mais ta mère, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien. Elle refuse de parler du passé. Bon, elle ne comprend pas pourquoi je t'y entends, ça. Eh bien, tu dois lui parler. Ça n'a rien à voir avec elle. Toute ma vie, j'ai vécu avec ce grand point d'interrogation. J'en peux plus de ce secret. Sophie, ce secret, ce n'est pas le mien. On s'est croisés. Tu me fais sentir et tu fais sortir.